Pourquoi la mort de Chebeya Sheltan? Pourquoi cette mort Sheltan? Chebeya a été assassiné dans les installations de la police nationale. À qui encore on peut faire confiance? On y est, Fleury. Non, non, tout dit volonté. Papa, il va s'en pas, papa. Papa va libérer, papa. Floribert dérangé par la force de la vérité de ses rapports sur l'état des droits de l'homme dans notre pays. Cette vérité-là dérangeait et il fallait supprimer, éliminer cette vérité. Et il y aura toujours des Floribert aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas que l'autre, c'est son frère. Floribert, même si tu es parti, mais je suis fière de toi. Fleury, je t'aime et je t'aimerai toujours. Souviens-toi de moi. Je t'aime. Je t'aime. Kabila assassin. Oh, oh, oh. Il a tué. Il a tué. Je suis le chef de la police, monsieur le président, je suis le chef de la police. Tous les officiers de la police doivent m'obéir et c'est ce qui montre d'ailleurs que je suis autoritaire. Jusque-là, monsieur le président, moi je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui pourquoi monsieur Chebeya voulait me rencontrer. Je ne sais pas. C'est une véritable chape de plomb que l'on essaie de faire tomber aujourd'hui sur le procès. C'est parfaitement invraisemblable et c'est surtout insupportable pour les familles des victimes. Nous avons découvert un corps sans vie allongé sur le siège arrière qui avait des lésions au niveau des deux avant-bras. Il y avait du sang qui coulait par la bouche. Il y avait un mouvement irrégulier du cou, c'est-à-dire les coups tournaient dans tous les sens, ce qui est anormal. Aussi anormal que l'assassinat, je veux dire plus précisément le crime d'État, un pouvoir qui repose sur le sang, ne peut pas durer, ne doit pas durer. Les assassins de mon mari, tous ceux qui ont participé à cet odieux crime, de loin ou de près, ne trouveront pas la paix. Papa, pour toujours, pour la vie, je suis sûr où tu es, tu veilleras sur nous. Papa, je suis sûr.